Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Mardi 15 novembre 2022, yon bateau garde-côte américain pote secou bay 7 garçons ak 5 femmes natif natal haïtien qui te bloqué sous île Monito nan Porto Rico côté trafiquant te abandonné yo. Organisme Médecins Sans Frontières souhaité plus d'efforts fait pour empêcher choléra continuer gayer Jean maladie ça retourner à prancher encore depuis commencement mois octobre 2022 sur territoire national là. Entre vendredi 11 pour arriver lundi 14 novembre 2021, gang examen kidnappé pour pipiti yon 10 dizaine moun nan zone métropolitain Port-au-Prince, faculté sciences université. L'état d'Haïti a mandé bandi exam langue sans condition Régine Saget qui c'est madame professeur Jean-Joseph Saget yo kidnappé depuis vendredi 11 novembre 2022 à Port-au-Prince. Handicap passé une réalité qui concerne nous toutes qui capable atterrir la caille n'importe moun n'importe qui l'est. C'est Coutrel bureau secrétaire d'état pour intégration moun handicapé yo sous mauvais la vie moun qui gen handicap yo si tout si la yo cap monter machine nan transport public yo cap sibi préjugé chauffeur nan la rien. Organisme Médecins Sans Frontières mandé renforcer effort contre maladie choléra cap pran cher encore depuis commencement octobre 2022 à sous territoire national là. Barik gaz la continue descendre sous marché international là sorti dans $127 américains nan mitan mois septembre 2022 li nan niveau $83 américains nan date 16 novembre 2022. Comment situation la vie en yé, mercredi 16 novembre 2022 à Nancy Port-au-Prince, tant pour Fontamara, dit qu'il y a commune Kafou, yon leader. Depuis date samedi 12 novembre 2022 à Bandi Exam, kidnappé Jean Hertelou, Saint-Île, qui dans service logistique centre ambulance nationale là. Mardi soir 15 novembre 2022 à deux monde la police suspect qui t'a bandi mouri dans Boukanta Koudzam avec la police dans Port-au-Prince d'après la police. Dans chapitre politique, autorité pays Canada yo fait konnen yo arrêté Gérald Nicolas qui gen 51 l'année, yo accusé qui t'a mariné un complot pour capoter dans mois juillet 2021 ancien président de facto Jovenel Moïse qui mouri assassiné dans date 7 juillet 2021 la Kaili dans Pèlerin. C'est gendarmerie royale dans pays Canada qui fait annonce là dans un communiqué li publié jeudi 17 octobre 2021. Gérald Nicolas doit faire face à la justice dans pays Canada. D'après information qui est disponible, c'est une équipe intégrée sous sécurité nationale qui a mené enquête là à partir du mois juillet 2021 après avoir recevoir information qui était sortie dans service police ville Lévis qui montrait accusé à planifier une exécution une révolution exam en Haïti pour être capable de prendre pouvoir. N'a pas rappelé dans mois février 2021 la police nationale a été arrêté 23 personnes. Li di ki t'a préparé un coup d'état contre président Jovenel Moïse nan époque lan parmi yo nou te jwenn juge Ivikel da Brésil. Li te accusé yo comme quoi yo t'a mariné un complot pour assassiner président République lan. Nan chapitre insécurité entre vendredi 11 pour arriver lundi 14 novembre 2022 a gang examen kidnappé pour pipiti yon dizaine moun nan zone métropolitain Port-au-Prince lan. Faculté sciences université l'état d'Haïti a mandé bandi examen lagué sans condition Régine Saget qui c'est madame professeur Jean-Joseph Saget yo kidnappé depuis vendredi 11 novembre 2022 nan Port-au-Prince. N'a rappelé depuis date samedi 12 novembre 2022 a bandi examen kidnappé Jean Hertelou Saint-Île qui dans service logistique dans centre ambulance nationale avec deux proches parents. Jean Saye depuis plusieurs jours gros vent panique là terra poursuivre encore la nuit mercredi 16 novembre 2022 dans Kafoufeuille côté en pile mon a couru quitter la caillou à cause des gangs examio qui t'avlé gain contrôle zone là. Directoire Combit, organisation politique syndicale populaire dénoncé insécurité qui a brassé le pays d'Haïtien qui d'après lui-même c'est une insécurité planifiée. Dans une conférence sur la presse yo bay jeudi 17 novembre 2022, syndicaliste José Mérilien longe doit être sous pouvoir en place là qui d'après lui-même planifié plan criminel ça contre paysan. En côté syndicaliste José Mérilien qui a porté plus de détails pour nous. Tout ka bagay que question de sécurité là comme je vous dis c'est une insécurité planifiée. Planifié par qui? Par pouvoir, par Bini. Vous savez que Bini, Madame Laline, a fait une déclaration devant l'ONU pour dire que c'est lui qui fait des gangs. Pour gangs qui fait des réa, qui fait violence diminuer. Donc, Madame Laline, son maman gang,
et le gang qui a fait faire la ville de Rodin, il y a un patron, il y a un maman qui est parrain, et il y a un patron. Numéro 1, c'est Madame Lalime, pouvoir. Donc, et sécurité, là, c'est outil pouvoir, outil comme groupe pour le Québec, dans ce pays, là, des collabos qui ont exécuté le criminel contre le pays. Là. Qui donc, ça, ce bagaille terrible, et que nous-mêmes, au niveau de COVID, là, nous dénonçons. Nous dénonçons parce que c'est qui ça, et nous dit la fête en complicité avec Bini, Madame Lalime, pouvoir américain, toute puissance qui faisait tout faire avec qui nous dit. Et c'est qui ça tout, dit en service de plan, plan qui nous veut occuper le pays directement. Donc, le premier, Ariel, c'est pour dire, donc, nous avons collaboré avec Ariel, mais nous besoin avec gros âmes de protéger Ariel et de piller sa ligne là comme richesse parce que nous déclarer tout ça comme richesse combattante, c'est réserve stratégique États-Unis. Au pays, il déclarait que son comme richesse la caillou, c'est réserve stratégique liée. Donc, je veux dire, tout ce qu'a fait là, lié en raison fondamentale, c'est fait qu'il y a une enfer, nous haïtiens, pour eux-mêmes, nous avons dit, accaparer sa ligne là. Son sont des criminels qui ont fait au pays. Et c'est de ça. Donc, vous pensez que faut nous, côté force, nous, pour nous gommer, faut nous faire solidarité entre nous, mais faut nous compter sur la solidarité de notre peuple pour nous sortir en bas de griffe. Assassin Sinaïo, qui assassin l'ONU, assassin Core Group, assassin Bini, assassin PHTK, pour que le pays soit libéré. Nous avons vu nos pays côté, nous battons, et puis là, nous là, ce n'est pas nous qui dans le champ contre la bataille, c'est nous qui bien loin. C'était syndicaliste Josué Mérilien. Dans le chapitre migration, il y a un spécialiste haïtien dans la relation entre Haïti et la République dominicaine, le journaliste Yves-Marie Chanel, critique le silence du gouvernement de facto haïtien devant l'opération poussée de migrants haïtiens à gros point sur le territoire dominicain. Écoutez un extrait dans l'intervention Yves-Marie Chanel dans Micro Alter Radio. Chaque mois, il faut sortir dans le pays. Tu as vu que tu as formé ton saut pour sortir pour rentrer encore. Pas de droit en permanence sans qu'on pas sorti. Longtemps, tu as permis ça. Mon arrêt avec visa jusqu'à ce que 5, 6 mois, 7 mois, l'aile sortie, tu as payé un frère ou l'estadie. Mais quand il y a des fois, tu as profité de la situation ça tout pour être capable de déporter mon et après écoulement période un mois ça. Donc cette situation générale ça gagne. Parallèlement, je vais signaler tout que on sorte de immobiliste, mais on sorte de absence totale de autorité consulaire qui pas réagir ni et pas qu'on a qui mesure porter vraiment assistance à citoyens haïtiens. J'ai l'impression que l'ambassade d'Haïti avec consulat au paralysé depuis quelque temps. Et on manque de présence auprès de la communauté. Regardez ces situations, pas non, mais non. Regardez ces situations d'abord. Moi, je dis toujours, c'est en Haïti, regardez son situation. C'est amélioration, condition, la vie en Haïti pour ne pas appuyer le kidnapping, puis la violence, puis être capable dans le pays, être étudié, être capable dans le pays, être travail. Donc, condition ça, c'est pour nous commencer à penser à nous-mêmes comme Haïtiens. Qui c'est pour moi qui point central pour aider ces situations. L'autre bagage qui est capable de faire, c'est l'assistance consulaire qui est réactivée et pour capable de mettre en ligne spéciale un numéro de téléphone côté monde qui a un problème, qui est capable de régler le consulat et qui est capable de prêter assistance. Ou si déportation et si arrestation est faite en conformité avec le protocole d'accord que le gouvernement dominicain a signé avec le gouvernement haïtien. Parce que d'après le protocole d'accord, ça, tout est supposé soumettre liste mounio chaque fois que déporté et en Haïti, mais pas l'impression que ça fait. C'était un extrait dans l'intervention spécialiste haïtien dans la relation entre Haïti et la République dominicaine, journaliste Yves-Marie Chanel. Toujours dans le chapitre migration, autorité immigration République dominicaine va poursuivre opération pour pousser deux migrants haïtiens sur le territoire dominicain. Il fait qu'on ait arrêté mercredi 16 novembre 2022 dans Santo Domingo 35 migrants haïtiens qui ont dit quitter sans papier. Dans plusieurs vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ils ont montré plusieurs haïtiens qui ont sibi mati en bas main service immigration dominicain. Ça qui soulevé gros colère la caille en pile dans compatriotes nous qui en pile fois a payé en pile l'argent dans université dans le pays République Dominicain. Syndicaliste Josué Mérilien dénonce toute situation malouque compatriotes haïtiens à vivre dans terre étrangère, principalement en République Dominicaine dans la dernière semaine. Écoutez syndicaliste Josué Mérilien qui a plus de détails pour nous. La dénoncer
situation maltraitance que haïtien frère nous c'est nous a subi dans l'Afrique dans République dominicaine côté étudiant qui a payé comme payé caille. Ils sont obligés par même à l'un coup parce que vous tellement à payer brimade, vous tellement à patriote, vous tellement à dadi et vous dadi dans le colis, dans le camion pour retourner pour ici. Donc ça, et la dadi, ça qui fait nous dire que haïtien obligé à dadi prendre humiliation, que la tiki, que la dominicaine, ça nous fait tout. Pour que pays, puis nos pays, pour nous casser la donne. Côté jeunesse là, car vous avez à dire là, parce qu'il y a des conditions réunies pour nous vivre là. C'était syndicaliste Josué Mérilien. Dans le chapitre de la santé, organisé Médecins sans frontières souhaité pliger forfait pour empêcher choléra, continuer à gagner, Jean Maladissa, retourner, apprendre encore depuis le commencement mois octobre 2022 sur le territoire national là. MSF rappelé quantité cas choléra a augmenté sans garder derrière dans diverses villes, dans la capitale, Port-au-Prince-Lan, avec dans plusieurs zones qui environnent lieu. Dans ce sens, il a demandé pour gagner une intensification qui fait dans la réponse y a baille face à la pandémie d'après Médecins sans frontières qui précisait qu'il y a diverses organisations et donateurs qui doivent mobiliser avec divers outils qui sont essentiels tant que vaccination doit être disponible pour équipe médicale et population dans le pays d'Haïtien. Centre nous rempli et dans le jour qui vient, nous pas gain espace encore d'après Mumuza Mouindo, directeur national MSF dans le pays d'Haïti, en référence à 389 cabanes qui sont en plein monde dans 600 traitement choléra yon mette campé nan pays depuis maladie apparaît 29 septembre 2022. Depuis fin octobre, nous traitons en moyenne 270 patients chaque jour dans centre nou yo. D'après explication, Moindo compte environ 50 dans deux premières semaines d'après organisation qui insistait pour organiser une réponse rapide pour éviter une catastrophe dans le pays. Dans le chapitre énergie, parquet tribunal civil local et département site pays d'Haïti fait qu'on est arrêté un propriétaire pompe gaz Mirville Toussaint. Les accusés qui tapent 20 gaz dès de la loi la nuit mardi 15 pour entrer mercredi 16 novembre 2022. D'après information qui est disponible, individu ça tape 20 gaz qui était doué aller dans pompio dès de la loi détant paquet au Kaila saisi un camion citerne qui était gagné en quantité 7500 gallons gaz. Toujours dans chapitre énergie, sous plusieurs circuits dans zone métropolitaine Port-au-Prince, passagers ont doué payer 55 goud pour course transport public d'après nouveau prix gouvernement de facto a dit li fixé pour tap tap camionnette avec bus dans pays d'Haïti après la kimbe augmentation prix gaz là sans garder derrière sous territoire national là. Déjà plusieurs syndicats chauffeurs transport public longe douette sous gouvernement de facto a qui même gens avec augmentation prix gaz là décidé fixer dans gros point prix course machine divers côtés sous territoire national là. Dans chapitre droit timon yo pas gens menacé comme ça Jean Sayé journée jodia dans pays d'Haïti côté plusieurs milliers timon pas qu'à aller l'école c'est disons fédération l'école protestant Haïti yo occasion date 20 novembre qui c'est journée internationale droit timon. Pour permettre au pays d'Haïti améliorer sécurité la manjaili nan renforcer capacité moun ki pi fragile yo, Banque Interaméricaine Développement fait konnen la fait pays d'Haïti cadeau 60 millions de dollars américains. L'agence qui pral joindre fonds assistance économique et sociale FAES a servi tout pour bay moun ki déplacé yo nan pays a soins et puis aider migrants qui retournent nan pays yo. Handicap c'est une réalité qui concerne nous toutes, qui capable atterrir la caille n'importe mon n'importe qui l'est. C'est Coutrel, bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, sous mauvais la vie mon qui gagne handicap yo, si tout si la yo cap monter machine transport public yo, cap sibi préjugé chauffeur dans la rien. Dans chapitre la santé, organisme Médecins sans frontières mandé renforcer effort contre maladie choléra qui prend cher encore depuis commencement octobre 2022 sur territoire national là. N'a pas le gouvernement de facto en Nations Unies avec partenaires liés té lancé un appel mardi 15 novembre 2022 pour chercher 145.6 millions de dollars américains pour supporter pays à dans réponse urgence contre nouveau vague choléra et puis pour té aide qui nécessaire bay 1.4 million monde qui vivent dans zone qui pi touché yo après plus passé 3 ans sans yo pas rapporter aucun cas choléra dans pays d'Haïti.
Haïti dans date 2 octobre 2022 autorité nationale yo te rapporté de nouveaux cas confirmés Vibrio cholerae dans zone métropolitaine Port-au-Prince dans Port-au-Prince depuis 14 novembre ministère santé publique ak population rapporté 8708 cas suspects 802 cas mounan qui confirmé ak 161 cas lan mort dans tout pays. Dans le chapitre énergie, barrik gaz la continue de descendre sur le marché international là, sorti dans $127 américains dans mi-temps mois septembre 2022, li nan niveau $83 américains dans date 16 novembre 2022. Pourtant, malgré divers mouvements populaires dans le pays d'Haïti, le gouvernement de facto a décidé qu'une augmentation prix gaz là, n'a pas rappelé yon galon gasoline à 20 kounya 570 goud, yon galon diesel à 2670 goud, alors que yon galon kérosène ou bien gaz blanc plusieurs familles plus utilisé dans le pays d'Haïti coûtait 685 goud. Augmentation prix gaz là sur marché national là était la cause divers mouvements protestation, ça qui était la cause 2 mois pays loc. Comment situation la vie en yé, mercredi 16 novembre 2022 à Nancy Port-au-Prince, Tankou Fontamara, dit qu'il y a commune Kafou, yon l'idée à collaborateur non Pierre-Antoine Chéguilin, soit Alter Press à Alter Radio. En koute le kapote plus de détails pour nous. Premier constat, et entre guillemets, accablant, nous te fait, c'est le nous arriver dans la zone et la marine pour nous arriver à l'endroit, et bien nous te constaté deux motos et qui gen moun blessé, kap couru avec eux. Et assemblé deux moun sa, c'est deux jeunes garçons qui ont été blessés dans le cas d'affrontement qui gagnent entre gang au niveau Matissan, donc n'a pas des grands avines avec Tibois. Donc il faut que nous disions tout et depuis avant la situation ça devient plus grave par rapport au fait que même circulation dit tout bloqué net dans le niveau Matissan et puis tout dans le niveau Tikajou par rapport avec situation nous connaît qui table depuis semaine passée dans savane pistache. Donc faut que nous dit qu'on y a là tout et zone la marine entre rail là et devine et tourner un gros marché côté en pile machine qui compte porter marchandises qui sorti en province. C'est-à-dire yam banane, patate, pois et l'entrée, eh bien, ils sont obligés d'accoster là parce qu'ils n'ont pas qu'à traverser Matissan pour aller délivrer et la ville. Donc ça vient faire machin, en pile, malheureusement, ils étaient là, ils vendent et ça vient à cause d'embouteillage tête chargée, côté en pile, machin, et vendent et ça a opoté pour ne pas perdre et tout ça, ils ont gagné pour ne pas vendre. C'était collaborateur nous, Pierre-Antoine Chérilin. Depuis date samedi 12 novembre 2022, bandit exam kidnappé Jean Hertelou Saint-Il qui dans service logistique Centre Ambulance Nationale là. D'après Centre Ambulance Nationale là, monsieur Saint-Il té dans une machine Toyota Land Cruiser qui gen couleur blanche qui immatriculé SE071 et puis 64 qui té gen logo CAN 116 sous li. Toujours d'après CAN, monsieur Saint-Il té gen ak li papa li ak un poche famille, trois moun sa yo nan men bandi exam depuis samedi 12 novembre 2022. CAN di li décliné toute responsabilité qui ta gen avec utilisation Toyota Land Cruiser qui gen couleur blanche là qui ta machine institution li fait konnen gen démarche k'ap fèt pour joindre libération monsieur Saint-Il ak l'autre membre nan famille et puis récupérer machine là. C'était une note pour la presse Centre Ambulancier National CAN. Mardi soir 15 novembre 2022 deux monde la police suspect qui ta bandi mouri nan boukantay kout zam ak la police nan Port-au-Prince d'après la police. An koute porte-parole la police la Gary Deosier k'ap pote plus détails pour nous. Mardi 15 novembre 2022 et dans l'angle de la Lue et Rue Capoua, il y a deux présumés et bandits armés qui blessés mortellement suite à échange de tir à la police. Ils étaient à bord d'un Mazda de couleur blanche. Le numéro plaque là, c'est BB824-31. Ils étaient en possession de deux fusils d'assaut. Lors de l'échange de tir là, il y a un qui arrivait blessé mortellement et tout près véhicule là. Et l'autre là lui-même, lui est tombé et quelques mètres de véhicule là, côté que lui tout est blessé mortellement, parce qu'il a tenté de prendre la fuite. Ça arrive hier soir, le mardi 15 novembre 2022, dans l'angle de la Lue et Wikapoua. C'était porte-parole de la police là, Gary Deosier.
Lundi 14 novembre 2022, la police nationale nan bon repos sous route nationale numéro 1 arrêté Carvinson Vicaire, yo plus connait sous nom Tim Malet, li suspect qui t'a participé dans zak kidnapping. PNH la fait connait individu ça qui gagne 25 l'année sous tête li, c'est moun Gomon département la Tibonite et puis li jeune arrestation li pendant yon coup de filet la police fait sous route nationale numéro 1. Même lundi 14 novembre 2022, la police dans le département nord-ouest dit li arrêté 7 moun, li suspect qui nan gang qui bay tête li non 3 millions qui t'a participé dans divers actes déchets pillage moun dans le département nord-ouest là. Dans chapitre migration, Jonas Bis Bicent, c'est non yon natif nan ta République Dominicaine pimpé vini dans pays d'Haïti parmi yon pile ak yon paquet natif natal haïtien li poussé doyo. Dans finissement mois octobre 2022, d'après groupe cap appuyé rapatrié avec réfugié au gar. D'après gar, malgré citoyen ça, te gagné sous li 4 identité li, autorité dominicaine yo pat même balitan pour li te identifié li, yo te arrêté li dans la rue Santo Domingo, mette li dans prison avant yo te voyé li vini dans pays d'Haïti, pensant li c'est haïtien parce que couleur pour li noir. Gardi li condamné à toute force li sa li rele traitement raciste pays République Dominicaine à bay migrant haïtien yo détant li mandé pour organisation Nations Unies continuer faire pression sous pays voisin pour li capable mettre un bout dans rapatriement illégal sa yo la fait sous migrant haïtien yo. Organisme pays Canada immigrant lever la voix contre opération officielle déportation à Kabu Douamoun. Autorité République Dominicaine a fait contre migrants femmes et garçons natifs natal haïtiens sous territoire voisin haïtien depuis quelques jours. C'est plus passé 50 000 migrants haïtiens autorité République Dominicaine yo pimpé vini dans pays d'Haïti dans 3 derniers mois qui sont passés yo d'après Office National Migration Haïtien ONM. Président dominicain Luis Abinader ta gagné un comportement raciste accraissement pour étrangers avec décision déportation migrants haïtiens yo qui fait songer dictateur Rafael Leonidas Trujillo, c'est disons ancien premier ministre de facto Claude Joseph. Parti politique Petite Dessalines lever la voix tout contre mauvais traitement à contre campagne déportation gouvernement Abinader la tête en main depuis quelques jours contre migrants haïtiens yo sous territoire dominicain. L'aime garder trahi compatriotes nous yo non Santo Domingo l'aime garder trai haïtien passé dans moment ça yo pilié yo pile sous pile en de champ froid dans pays voisin et peuple haïtien ça fait nous dans Saint Domingue je fais pas tomber dans l'eau peuple haïtien voisin nous a défendre pays yo c'est vrai mais on pas faire nous ça faire nous là mais t'es gon là Pays Japon, t'es fait, chinois yo, puis mal passé ça, c'est de m'a fait nous là, je dis. Je dis, chinois yo, tout nous grand peuple. Ça, Dominique, qui a fait nous là, yo, c'est bagay, pour le monde entier condamné, et, n'a jusqu'à venir yo, faut réagir sur ça, peuple haïtien. Et, n'a pris un moment, mangez avant nous. N'a pas dit pour Dieu pas rentrer dans le pays. On l'a dit ça, oui. Parce que ça fait nous là, c'est bagaille. L'humanité doit condamner. Deuxième bagaille. Sans moi ici à passer sous place où Gauthier avance là, tout pour l'aéroport. C'est pas bagaille bête, non. Nous connaissons la bête qui est dans la pluie. C'est pas ça mon job passé. C'est plus mal toujours. Est-ce que pays a un dirigeant? Non. C'était secrétaire général Parti politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Parti politique Petite Dessalines annoncé mobilisation divers côtés dans le pays d'Haïti dans date vendredi 18 novembre 2022 qu'a fait 219 l'année depuis dernière bataille esclavio pour arracher l'indépendance pays d'Haïti contre colons blancs français yo. Dans une conférence pour la presse mercredi 16 novembre 2022 Jean-Charles Moïse fait connait si toute population pas levé camper contre gouvernement en place là situation risque vinn piment gonmen
nan peyi a nan jou k'ap vini yo. An koute secrétaire général parti politique Petit Dessalines Jean-Charles Moïse pour plus détail. M'vin di ayisyen yo, si yo pa leve kanpe, grand groupe pral tire yo, insécurité pral tire yo. Nou pa sa k'ap rive nou, pri gaz la seulement, mais ke te mete ti mami diri yo a 150 goud, 155 goud. Pri gaz la seulement, mais ke te mete sachet spaghetti yo, ki te vendi $17, mais ke te $50. Pri gaz la seulement. Si Ariel rete, li pral mete encore inflation encore nous. Inflation qui s'allie parce qu'elle demande des banques centrales financer déficit budgétaire aboli. L'homme dit pour gouvernement dit pour y financer déficit budgétaire là qui est évalué à 30 milliards de gourdes sous deux peuples encore. Peuple haïtien, si nous parlons de campé, nous avons là, les gars arrivés 132 gourdes, 133 gourdes, dans deux mois, trois mois, les parlons de 200 gourdes. Laisse ça, on t'y m'a mis duré pour le vendre 200 combien de gourdes. Peuple haïtien, je ne vais pas venir là pour faire nous paix. Mais, Bloyo, si nous ne pas faire bien, j'aimerais haïtien comprendre qui ça aujourd'hui. Samedi là, si vous parlez de nous, nous parlons de côté. Peuple va le tourner, malien, yo, ne pas le mettre blanc dehors. Nous parlons de côté. Ma candale, même ça le fait, notre la colonie, nous pas le répéter encore. Ce n'est pas parce que je voulais, peuple haïtien. Je ne pas de mauvaise foi. Je ne vais pas prêcher violence, mais son vérité qui vient de parler. Le peuple a fait 3 mois, levé campé pour gaz descendre, pour dollar descendre, pour bar dollar, pour sécurité des autres, pour aller en réalité. Au lieu, il y a tant de raisons. Ces amis ont été sous nous. Et, peuple haïtien, nous avons entendu nous. Nous n'avons mis en rivière là, nous ne pouvons pas casser. Coupe pour nous tourner. C'est ça que fait. Nous venons annoncer nous. Dis si nous sommes venus là. Levez campé, population sorti sous champ de masse là. Nous parlons point autour d'Elma et il a sorti dans un esquisse pour passer dans le cafou résistance là. Il y a point autour d'Elma, il y a monté d'Elma 32 et on parle pas les paroles là devant bureau Bini en Haïti. Oui, nous parlons parler avec madame Laline pour qu'on ait dès qu'il prévient pour ces étrangers qui continuent à droite à gauche. Étrangers yo. C'était secrétaire général parti politique Petit Dessalines Jean-Charles Moïse. Nancy Pelosi, influente présidente démocrate dans la Chambre représentant Congrès américain, a annoncé jeudi 17 novembre intention pour pas assigner poste ça dans prochaine assemblée qui soutient dans élection qui fait pas trop longtemps. Moi pas pas le représenter dans direction démocrate prochain Congrès après républicain au fin remporter majorité dans Chambre basse. C'est ça Nancy Pelosi déclaré, les mêmes gain 80 de l'année qui était joué un rôle prédominant depuis des décennies dans politique américaine. Président Joe Biden dit invite hommage côté le salier yon gros défenseur démocratie pour applaudissement yo l'était parlé concernant souvenir 35 l'année passé dans chambre là l'était ouais qui évoluer pour capable représentative puis plus pour capable plus représentative nation là. Karen Bass et les magistrats Los Angeles mercredi 16 novembre d'après médias américains yo ça qui fait les premières femmes dans tête deuxième plus gros ville pays États-Unis. Gros démocrate Karen Bass était imposé face à promoteur immobilier mais ton ancien membre parti républicain Henry Caruso qui investit 100 millions de dollars dans fortune personnelle dans course électorale ça. Après dépouillement 3 cas dans vote Karen Bass était gagné avance d'environ 46 500 voix d'après des comptes qui publié mercredi. Une avance médias locaux le qualifie comme insurmontable. Résultat définitif qui a certifié 5 décembre. Président français Emmanuel Macron soutenu proposition président brésilien Elie Lucinacio Lula da Silva pour organiser conférence l'ONU sur climat dans l'année 2025 à Amazonie. Moi souhaité en pile nous capable gagner en COP Amazonie. Donc moi soutenu net initiative président Lula, c'est ça le déclaré dans un déplacement Bangkok pour sommet forum coopération Asie-Pacifique là APEC. Et puis secrétaire général l'ONU Antonio Guterres fait pays qui était rassemblé dans COP 27 au Congo jeudi 17 novembre là pour jeune à quoi ambitieux mais qui crédible sous question compensation dégâts climatiques pays Sibio Sibi. Façon qui plus efficace pour reconstruire confiance dans ces jeunes à quoi ambitieux mais qui crédible sous pétio à préjudice et puis soutien financier pays qui en développement. C'est ça le déclaré Égypte. Dans l'économie, d'après Fonds monétaire international FMI, économie pays la Russie rentre dans une période récession cap durée en pile temps. En coûté Kervins Adam Paul cap pote plus détails pour nous. C'est le pays dans G20 qui gagne économie li qui entre dans une période récession. La Russie a dû rester sous mauvais chemin ça, même pendant l'année 2023 et même après ça, d'après sa chef économie Fonds monétaire international là, Pierre-Olivier Gourenchas, prévoit dans une interview li bay agence France Presse AFP.
Toutefois, li fè konnen res kontinan européen pap épanye an bas choc énergétique invasion pays la Russie fè nan pays Ukraine nan provoqué. Yon situation li expliqué ki vin touche ak tout force li principal économie yo sou kontinan européen en particulier pays Allemagne ak Italie ki dépend an pile de gaz ris la. Nan ekonomi, PIB la Roussi diminue nan nivou 4% pandan 3e trimès nan ane 2022. An koute Kervens, Adam Paul kap pote plis detay pou nou. PIB peyi la Roussi diminue nan nivou 4% pandan 3e trimès ane 2022. Youn nan konsekans sanksyon oksidantal youn deye lot yo ki pren kont Moscou la koz intervensyon militer li ap menen nan peyi Ukraine nan. Officiellement, la Russie entre dans une période récession après un recul 4% dans le produit intérieur brut pendant le troisième trimestre année. D'après une première évaluation, agence et statistique Rostat publiée mercredi 16 novembre 2022. La Russie était déjà enregistré baisse dans le pays Béli depuis pendant le deuxième trimestre. Là, vient ajouter sous ça, pile à paquet gros sanctions pays occidental yo prend compte Kremlin la cause la guerre dans le pays Ukraine. Analyse yo tap attend yo cependant à qui on baisse qui était plus grave toujours dans l'économie russe. Là, entre mois juillet pour arriver mois septembre, yo te pensé l'état baissé dans niveau 4,5%. La principale information nous présenter pour vous. Handicap, c'est une réalité qui concerne nous toutes, qui est capable d'atterrir la caille n'importe monde, n'importe qui l'est. C'est Coutrel, bureau, secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, sous mauvais la vie, monde qui gagne handicap, si tout si la yo, cap monter machine dans transport public, cap sibi préjugé chauffeur dans la rien. Organisme Médecins sans frontières mandé renforcer l'effort contre maladie choléra, cap prend cher encore depuis commencement octobre 2022 sur territoire national là. Barrique gaz là continue descendre sur marché international là, sorti dans $127 américains dans mi-temps mois septembre 2022, li nan niveau $83 américains dans date 16 novembre 2022.